Je vous écoute pas, monsieur. Monsieur, je vous écoute pas. Alors, excusez-moi, vous avez raison, Susanna. Donc, je crois qu'il y avait un problème de son, c'est ça? Oui, c'est bon, là, je vous écoute. Voilà, parfait, très bien. Donc, tu as bien fait de m'appeler. Alors, je disais donc, question 1, décrire les éléments qui caractérisent un achat comme une immobilisation. Question 2, calculer le coût d'acquisition de la chambre froide à partir de l'annexe 1. Ensuite, la question 3, compléter l'extrait du tableau d'amortissement de la chambre froide à partir de l'annexe A. Alors, ensuite, donc, par rapport à la question 1, décrire, j'entends un retour là, je ne sais pas, ça parle chez certains d'entre vous, s'il vous plaît, juste si on peut avoir du silence ou si on peut avoir uniquement un retour quand on a un échange entre nous. Alors, je disais donc, la question 1, elle portait sur voilà, la description des éléments qui caractérisent un achat comme une immobilisation. Donc, les éléments de réponse étaient les suivants. Il fallait indiquer une immobilisation est un bien. Est-ce qu'on peut ajouter, s'il vous plaît? J'ai un retour. Susanna, tu n'as pas actionné ton microphone. Sabah, je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Sabah, Mélissa? Oui. Oui, alors qu'est-ce que tu peux nous proposer? Tu es la seule qui a du son là actuellement et dont je vois, voilà. Et qu'est-ce que tu peux proposer? Alors, c'est ce qu'il fallait répondre à la question 1, décrire les éléments qui caractérisent un achat comme une immobilisation. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une immobilisation est un bien. Comment il est, ce bien? Durable. Voilà, très bien, merci Susanna. Durable. Et on attend, qu'est-ce qu'on attend par rapport à une immobilisation? Qu'attend l'entreprise?
Qu'est-ce qu'elle attend? Une expression, une notion qu'on a utilisée souvent en classe. Lorsqu'elle investit l'entreprise, elle attend un avantage économique. D'accord? Donc là, je vois que ça bosse bien. Bon, c'est pas grave. La question 2, calculer le coût d'acquisition de la chambre froide à partir de l'annexe 1. Donc là, je vous ai mis l'extrait de l'annexe 1. Donc là, on voit bien que nous sommes ici en bas à droite chez la petite chèvre. D'accord? Donc, l'entreprise pour laquelle on travaille. Et là, on voit bien en haut à gauche son fournisseur qui est Négoce et HR. Et ce fournisseur a tout simplement vendu à notre entreprise une chambre froide pro. D'accord? Donc, on a son prix d'achat, on a les frais d'installation, on a ensuite un montant brut, on a la remise, le net commercial, la TVA et le net TTC. Et le paiement doit être fait le 30 avril 2018. Et là, on est au 1er avril 2018. C'est-à-dire que le paiement doit être effectué dans un mois. D'accord? Ma question est la suivante. Quel est le coût d'acquisition ici? Je m'adresse à l'ensemble du groupe. Quel est le coût d'acquisition à partir de ces éléments, ces données financières que vous avez? Je vous ai dit que je voudrais que ça soit interactif, s'il vous plaît, parce que là, constamment, c'est toujours moi. Et je souhaiterais qu'il y ait quand même... un échange. Alors, et vous deviez le préparer pour aujourd'hui, tout ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Susanna? 525. Pardon? 525. 525, tu vois ça où? Dans le net commercial hors taxe. Alors, le net commercial. Alors, attention. Susanna, ça paraît très mal. Tu as raison. C'est 18 525. D'accord? Si tu reprends ton sujet, ça va être… voilà. Là, ici, j'ai eu du mal sur le PowerPoint à disposer les chiffres. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est une séparation. Donc, le net commercial, ici, 18 525, et effectivement, correspond au coût d'acquisition. C'est le coût d'acquisition. Ça va, je n'entends pas du tout, là. Ça va, je n'entends pas du tout. Oui. Oui. Alors, le coût d'acquisition, il est de 18 525. C'est-à-dire que c'est le net commercial hors taxe, d'accord, que nous avons ici. OK. On est d'accord? Mélissa, le net commercial hors taxe, c'est quoi? C'est le prix de la chambre froide, 18 000 euros, plus les frais d'installation, 1 500 euros, moins la remise, 975, et on obtient ainsi 18 525. Donc, Susanna, le coût d'acquisition est égal à quoi? Il est égal au prix d'achat, plus les frais d'achat, moins la remise. D'accord là-dessus? Ça, vous devez absolument maîtriser cette notion. Le coût d'acquisition, ce n'est pas la première fois que nous l'utilisons. Donc, à partir de là, effectivement, c'est ce que nous voulons voir ici un instant. Donc, je vous ai préparé un tableau qui se présente sous cette forme. Donc, chambre froide négative pro, frais d'installation, montant brut hors taxe, remis 5%. Et on arrive à la fin au coût d'acquisition qu'on a trouvé. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ça va? Oui. Okay. Oui, monsieur. Ça va, parfait. Alors, donc, 18 000, 1500, 19 500, 975, et on est bien à ce que disait tout à l'heure Susanna, à 18 525. D'accord là-dessus? Donc, voilà le coût d'acquisition. Donc, pour la question 2. Ensuite, la question 3. Alors, il s'agissait du tableau d'amortissement de la chambre froide. On vous demandait de faire le tableau d'amortissement de la chambre froide. Alors, donc là, je pense que ça va poser un petit souci. Alors, je vais passer en mode partage pour récupérer. Voilà. Donc, théoriquement, voilà, il est là. Donc, vous le voyez là? Oui. C'est bon? Donc, vous aviez à compléter ce tableau. D'accord? Donc, il fallait ici, vous aviez quelques informations au niveau de l'entête qui étaient déjà mises. Chambre froide, base d'amortissement, on ne vous l'a pas mise. On ne vous a pas mis le montant. D'accord? Durée d'utilisation, on vous l'a donné. Mode d'amortissement linéaire. Donc, je rappelle que le mode d'amortissement linéaire, on va utiliser des pourcentages, d'accord? Que la formule, c'est 1 divisé par la durée, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle on obtient 20%. Je reviendrai en dessous après. On est d'accord là-dessus? Oh, oh, le taux d'amortissement, 20%. Je ne vous entends pas, là, les filles. Oui, monsieur. On est d'accord? 1 sur la durée. La durée est de 5 ans. 1. Systématiquement, 1 divisé par 5, ça fait 0,2 fois 100, ça fait 20%. On est d'accord? OK là-dessus? Oui. Bien. Maintenant,
cette chambre froide, elle a été acquise le 1er avril et elle a été tout de suite mise en service. Vous voyez bien, il y a la concordance. 1er avril, date d'acquisition, date de mise en service, 1er avril 2018. On est d'accord ? C'est bon ? Donc, à partir de cela, alors, il y a Berivan qui arrive. Ok, très bien. Alors, je disais, à partir de cela, on a donc, bonjour Berivan, content de te voir, de t'avoir. Alors, donc, je disais, à partir de cela, on va donc calculer pour l'année 2018 au niveau des travaux d'inventaire, au 31 décembre, puisque c'est aux travaux d'inventaire que les choses vont se calculer. Ça barre, tu pars, tu reviens. Tu te promènes, ça barre tout à l'heure. Donc, je disais, pour la première année 2018, l'annuité, elle est de 2770,75. Pourquoi qu'elle est de 2770,75 ? On prend la base amortissable, d'accord, qui est de 18 000. Alors, qui c'est qui arrive encore ? Rogine qui arrive. Ah ouais, tout le temps, ça va être le défilé là. Bienvenue, Rogine. Donc, je disais, 18 525 qui est le coût d'acquisition. Pour 2018, on a acquis, mis en service au 1er avril. Donc, on part du 1er avril jusqu'au 31 décembre et on calcule le nombre de mois ou le nombre de jours. C'est un prorata temporis. C'est-à-dire que le bien immobilisé n'a pas été acheté au 1er janvier. Il n'est pas sur toute l'année. Donc, on effectue le calcul suivant et on arrive, donc ce que je vous ai mis en, ce que j'ai mis en dessous, 2018, date de mise en service jusqu'aux travaux d'inventaire, 31 décembre 2018. On est du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018. Ça nous fait 9 mois. D'accord ? Donc, l'annuité, la première 2018, elle va être égale à mon coût d'acquisition ou ma base à amortir, multiplié par 9 douzièmes, puisque j'ai opté en mois, et multiplié par 0,2 ou multiplié par 20%. Et on trouve 2778,75. D'accord ? L'amortissement cumulé pour la première année sera le même que l'annuité. Et la valeur nette comptable, je vous ai mis ici le calcul, eh bien, je prends mes 18 525 moins l'annuité cumulée. Et donc, j'ai 18 525 moins 2770,75, ce qui fait donc 15 746,25. C'est ce que je vais mettre en VNC ici en 2018. D'accord ? Pour 2018, donc calcul de la première annuité avec un prorata, on est sur 9 mois et ensuite on calcule la VNC. La VNC est égale à la base amortissable moins le cumul amortissement. D'accord ? Je passe à 2019. 2019, je suis sur une année entière, donc je prends 18 525 que je multiplie directement par le taux. C'est ce que j'ai justifié ici. 18 525 fois 20% est égal à 3 705 montant de l'annuité. C'est ce que je vais porter ici, en annuité. En annuité cumulée, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'annuité cumulée de 2018 plus l'annuité de 2019 et je trouve l'annuité cumulée de 2019. Et là, j'ai 6 483,75. Pour la VNC, je fais tout simplement la base amortissable moins l'annuité cumulée et je trouve la VNC 12 041 des poussières. D'accord là-dessus ? Vous devez être capable de faire ça. Hein. Je vous dis, voilà, hein, c'est un petit rappel hein, que je viens de faire. Donc voilà, pour ici, cet extrait du tableau d'amortissement qu'on vous demandait de compléter. Donc j'en reviens à mon diaporama, donc que je ne me trompe pas. Voilà, ça va être ça. Alors, Océane qui arrive. Ouais, bon, bah, franchement. Alors, je vais partager. Donc voilà. Donc voilà la question 3. Tableau d'amortissement, chambre froide, donc on vient de le voir, on vient de voir les calculs 2018, 2019, d'accord ? Alors, ensuite, question, partie suivante. Donc, toujours le contexte, hein, je le mets là, je le rappelle, la petite chef, c'est une coopérative, c'est plus une SARL, ni une URL, ni une SA, c'est une petite coopérative. Et donc, elle est spécialisée dans la production de fromage de chèvre, elle fait des tartes, des mousses, etc. Elle distribue, c'est-à-dire qu'elle vend à des supermarchés, d'accord ? Et elle vend aussi à des fromageries, c'est-à-dire des dites entreprises qui vendent uniquement du fromage et tout ce qui concerne les épiceries, d'accord ? Et qu'elle a aussi un contact avec une centrale d'achat qui lui commande de grandes quantités de fromage. Et par rapport donc à cette activité qui est assez importante,
eh bien, voudrait développer son activité au niveau de la fromagerie et elle souhaite acquérir une chambre froide pour stocker sa production. Voilà un petit peu le contexte de ces différentes questions auxquelles nous sommes en train de répondre. Alors ensuite, l'entreprise souhaite financer en partie cette acquisition par un emprunt de 20 000 euros. Enregistrer l'écriture d'obtention de cet emprunt au journal de l'entreprise au 25 mars 2018. Ensuite, on vous demande de chiffrer l'incidence de cette écriture sur les documents, synthèse, bilan, compte de résultat. Je vais demander à quelqu'un là, de me dire rapidement l'écriture comptable, qu'est-ce qu'on va utiliser comme compte, etc. pour la question 4. Y a-t-il des volontaires? Ne vous battez pas. Vous l'aviez préparé normalement pour aujourd'hui, hein, mais bon, ne vous battez pas. Mélissa ne te bat pas avec Berivan et Berivan ne te bat pas avec Susanna, etc. pour prendre la parole. Je suis fatigué à force. Hein. Si je vais être amené uniquement que ce soit que moi qui fasse un monologue, là, ça va être fatigant. Fatigant. C'est pas sérieux. Mais bon, vous êtes là. Alors, donc, enregistrer l'écriture d'obtention de cet emprunt au journal de l'entreprise le 25 mars. Donc là, vous avez un petit tableau. Oui, Océane, tu voulais prendre la parole, mais tu ne peux pas prendre la parole parce que ton micro est coupé. Le numéro intitulé, alors, numéro intitulé, date, débit, crédit, d'accord, et en bas libellé, ok, là-dessus, d'accord. Donc, cette écriture, très simple, redondante, c'est-à-dire qu'elle se répète avec toutes les applications, les exercices que vous avez pu à faire, bah, c'est toujours la même chose, ça se répète, très simple. On débite le compte 512 de 20 000 euros et on crédite le compte 164 emprunt auprès des établissements financiers. C'est une écriture qui vous est totalement familière. Je suis désolé. Et on l'appelle libellé déblocage de fonds. C'est l'emprunt. Voilà comment on enregistre l'emprunt. D'accord ? Très simplement. OK ? Là-dessus. Donc là, on a augmenté nos disponibilités, les disponibilités de cette entreprise au niveau banque et on a augmenté la dette vis-à-vis des établissements ici financiers de 20 000 euros. Alors, donc, on demandait de chiffrer ensuite l'incidence de cette écriture qu'on vient de voir sur les documents de synthèse au niveau du bilan et au niveau du compte de résultat. Donc, voilà, il faut voir au niveau du bilan, voir au niveau du compte de résultat, c'est ce que je viens de voir avec vous oralement, mais sans préciser. Eh bien, au niveau du bilan, on a une augmentation de la trésorerie de 20 000 euros à l'actif, le compte 512 qui augmente. Et on a une augmentation des dettes financières en passif de 20 000 euros, le compte 164, les emprunts qui augmentent. Les dettes augmentent et les disponibilités augmentent. Voilà la conséquence au niveau du bilan. Conséquence au niveau du compte de résultat, bah si on reprend l'écriture, on a utilisé le compte 512 et 164, il n'y a rien entre la 6 et 7. Donc, s'il n'y a rien, il n'y a aucune incidence au niveau du résultat. Incidence uniquement au niveau du bilan. D'accord ? Modification du bilan ici uniquement. Compte de résultat, on n'y touche pas. Il n'y a rien. Voilà. Alors, ensuite, autre petit contexte de cette entreprise pour mesurer l'impact de l'investissement sur sa trésorerie, savoir si cet investissement est bon, l'entreprise a prévu de réaliser un budget de trésorerie. Donc, budget de trésorerie, on l'a fait. D'accord, donc là, normalement, ça ne va pas poser de problème. Question 6, préciser si les dettes dans le budget de décaissement sont TTC ou hors taxe. Ça, automatiquement, vous avez les éléments de réponse si vous maîtrisez le concept du budget des décaissements. Ensuite, on demande ensuite de compléter le budget des décaissements et le budget de trésorerie à partir de l'annexe B. Et ensuite, d'expliquer pourquoi les amortissements ne figurent pas dans le budget des décaissements. Et comment commenter la situation de trésorerie. Donc là, il y a des questions courtes, il y a des questions connaissances, etc. Mais il y a aussi des questions, questions courtes, voilà, qu'on a déjà traitées précédemment. C'est ça que je voulais dire. Et donc, normalement, vous avez les éléments de réponse. À force d'en faire, vous devez avoir les éléments de réponse. Donc, je continue. Donc, alors, pour cette question, la question, c'est préciser si les dettes… Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va compléter là-dessus? Les dettes figurent dans le budget des décaissements. Elles figurent comment, les dettes? Alors, je vous écoute. Elles figurent comment, les dettes?
Les dettes, elles figurent comment? Leur montant, il est comment? Est-ce qu'il est hors taxe? Est-ce qu'il est TTC? Berivan, est-ce qu'il est hors taxe ou est-ce qu'il est TTC? Je dirais les TTC. Ah, bien sûr. Ah oui, le montant des décaissements, les montants, c'est-à-dire de qu'on va remettre au fournisseur, bah, c'est toute taxe comprise. On est d'accord? Donc, les dettes figurent TTC dans le budget des décaissements, car les paiements aux fournisseurs se feront pour le montant TTC au niveau des factures. On va payer les fournisseurs TTC, on ne va pas les payer hors taxe. On est bien d'accord? Donc, c'était la question. Préciser si les dettes dans le budget des décaissements sont TTC ou hors taxe, ils sont TTC. Alors, il y a Sofiane Carré, il vient de se réveiller. Alors, donc, voilà, on continue. Alors, ensuite, vous aviez un petit extrait ici, donc du budget des décaissements, d'accord? Donc, on vous donnait, bonjour Sofiane, on vous donnait quelques éléments, donc, par ligne. Alors, dette fournisseur premier trimestre, donc avril, mai, juin. Ensuite, les achats du deuxième trimestre, les autres charges. Bon, bref, il était juste à compléter ce budget des décaissements. Il y avait juste un élément à ajouter. C'était quoi? Pour ceux qui l'ont fait. Les dettes fournisseurs de juin. Pardon? Les dettes fournisseurs de juin. Dettes fournisseurs de juin, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Non, l'acquisition d'immobilisation. Voilà, voilà. C'était uniquement l'acquisition d'immobilisation qu'il fallait mettre là, ici, à compléter. C'est tout. D'accord? C'est tout. Et donc, on obtient le résultat suivant. Donc, on a cette acquisition d'immobilisation au mois d'avril. Elle est de 22 230, c'est-à-dire la fameuse chambre froide, TTC. D'accord? Et donc, là, on a en avril ce montant-là, il suffit d'additionner. D'accord? Ensuite, en mai, bah, il suffisait de reprendre ce qu'il y avait en élément ici, en montant. Il n'y avait rien à rajouter. Donc, on obtenait ce total-là. Et ensuite, en juin, donc même chose, mai-juin, ça ne bouge pas. Ce qui bougeait, c'était avril, c'est tout. Il fallait mettre 22 230. Et donc ici, on a budget des décaissements, les totaux qu'on va prendre, pour le… Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire des totaux du budget des décaissements? Ouais, Océane, Susanna, Sofiane, je parle tout seul, quoi. C'est un monologue. Bien, eh bien, on va tout simplement s'en servir pour la construction du budget de trésorerie. C'est ce qu'on a fait précédemment. C'est ce qu'on a fait précédemment dans les sujets. Donc, on va arriver à ce point suivant. On a ici, au niveau de l'énoncé, la trésorerie initiale, ça c'est le budget de trésorerie. On nous remet le total des encaissements. On a juste à reporter le total des décaissements ici, qu'on vient de calculer. D'accord? Et ensuite, on va pouvoir établir la trésorerie finale du mois d'avril, qui deviendra la trésorerie initiale du mois de mai. On additionne ensuite avec les encaissements et on enlève les décaissements. On va obtenir la trésorerie finale du mois de mai. Cette trésorerie finale du mois de mai va devenir la trésorerie initiale du mois de juin. Trésorerie initiale du mois de juin plus les encaissements moins les décaissements égale la trésorerie finale du mois de juin. Et on arrive à un tableau qui va être construit à la façon suivante. On aura trésorerie initiale ici en avril 25 000, encaissement 125 000, décaissement, on vient de prendre budget décaissement 153 230 et on fait trésorerie initiale plus encaissement moins décaissement, on obtient la trésorerie finale et on voit qu'au mois d'avril, la trésorerie finale, elle est négative. Cette trésorerie finale du mois d'avril va devenir la trésorerie initiale du mois de mai, moins 3000. On l'additionne ensuite aux encaissements, on enlève les décaissements et on obtient une trésorerie finale du mois de mai qui va être de 19 000. Cette trésorerie finale du mois de mai de 19 000 va devenir la trésorerie initiale du mois de juin.
trésorerie initiale du mois de juin plus les encaissements moins les décaissements égale la trésorerie finale du mois de juin. C'est ce qu'on avait construit précédemment au niveau des sujets que nous avions. Monsieur ? Oui ? À chaque fois, la trésorerie finale, on la reporte au mois prochain. La trésorerie finale d'un mois devient la trésorerie finale d'une période, devient la trésorerie initiale de la période suivante. Oui ? Ça marche toujours comme ça, toujours. Pardon ? Ça marche toujours comme ça, les mois. Bah oui. Oui, Mélissa, oui. Ah oui. Chacun, c'est comme ça. C'est la méthode de calcul d'un budget de trésorerie. Voilà. Trésorerie initiale de la période, trésorerie finale. Cette trésorerie finale de cette période devient la trésorerie initiale de la période suivante et ainsi de suite. Voilà. C'est bon ? Oui. Alors, point suivant. Expliquez pourquoi les amortissements ne figurent pas dans le budget des décaissements. Les amortissements sont… Alors, je vous écoute parce que c'était une question qu'on avait traitée précédemment. Je ne la vois plus, Berryval. Je ne la vois plus. Je suis là. Tu es là, mais je suis… Ouais, mais donc voilà. OK. Alors, tu pourrais répondre, Berryval, s'il te plaît, expliquer pourquoi les amortissements ne figurent pas dans le budget des décaissements. Les amortissements sont… Qu'est-ce qu'ils sont, les amortissements, on a dit ? On l'a déjà dit ? Sont… Si vous ne reprenez pas ce qu'on a fait, vous ne risquez pas de comprendre. Hein. Parce que là, il faut reprendre ce qu'on a fait précédemment. Je vous ai donné plein de ressources. Là, vous avez les vidéos, vous reprenez, vous écoutez, vous regardez, vous reprenez votre sujet, vous travaillez ainsi. Hein. Si vous ne faites rien, voilà quoi. Moi, ce que je fais là, actuellement, c'est pour vous l'année prochaine. Hein. Quand vous serez dans le supérieur, si vous allez arriver dans le supérieur, vous allez être perdu parce que voilà, vous allez vous retrouver avec d'autres élèves qui auront terminé le programme, seront bien entraînés, etc. Ça, vous allez être perdu. Donc voilà. Donc, il faut s'y mettre, là. Il faut une certaine rigueur et une certaine constance dans le travail. Par partie du décaissement. Pardon, pourquoi les amortissements ici, on ne les utilise pas dans le budget des décaissements ? On l'a déjà dit, ça. Alors, des charges calculées. Voilà, parce que ce sont des charges calculées. Ce sont des charges calculées. Et il n'y a pas de sortie de quoi ? Quand ce sont des charges calculées, il n'y a pas de sortie de. D'argent. Merci, mademoiselle. Susanna, il n'y a pas de sortie d'argent effectivement. Donc là, je ne sais pas. Alors, voilà. Voilà, donc ce qu'il fallait mettre ici. Alors, ensuite, vous aviez deuxième partie, quelles sont les différentes modalités d'équilibrage de la trésorerie. Donc ça, c'est une petite question de gestion. D'accord. Et donc, voilà comment je présente les choses. Et voilà comment ensuite, je donne les éléments de réponse. Donc, pour équilibrer... Eh bien, on va réduire les délais de règlement pour les clients. Mais le problème, si on règle les délais ou si c'est imposé vis-à-vis des clients, on risque de perdre des clients. Donc, ça sera négocié en fonction des clients. Hein. Mais essayez surtout de réduire les délais de règlement. Ensuite, réduire le délai de rotation des stocks, hein, moins la marchandise. J'ai déjà dit, je redis à nouveau, reste en stock, mieux ça vaut pour l'entreprise. Il faut utiliser rapidement, donc diminuer le délai de rotation. Mais le problème, si on diminue le délai de rotation, on peut à un moment ou à un autre se retrouver face à une rupture de stock. Donc, ça peut être problématique. Donc, c'est à peser. Ensuite, on a l'allongement du délai de règlement des fournisseurs, donc vis-à-vis des fournisseurs, leur demander de payer le plus tard possible. Vous voyez, ça se répète tout ça. On l'a déjà dit, hein. Tout ça, ça a été déjà dit. Hein. Ensuite, le BFR, donc la difficulté aussi de négociation, c'est par rapport au concours bancaire courant, c'est-à-dire au découvert avec la banque, le banquier. Hein, vous le voyez un petit peu à la télé, déjà avec ce qui se passe en ce moment avec la crise, il y a pas mal de petites entreprises qui essaient de négocier. Leurs banquiers qui ont du mal à négocier avec leurs banquiers, des délais, etc. etc. Donc, ensuite, difficulté de négociation au concours bancaire courant, trésorerie disponible, les coûts financiers. Donc, quand on dit quoi, la problématique aussi au niveau donc, de tout ce qui peut concerner l'argent, ça y est, un coût financier. Ensuite, on a les comptes courants d'associés, on a déjà vu, avec une possibilité d'avoir une trésorerie disponible, des dettes
de l'entreprise. Ensuite, on a les cessions de VMP, les valeurs mobilières de placement, d'argent qu'on a sous forme d'actions qu'on peut revendre. Donc, voilà un petit peu les différents agrégats et les différentes possibilités, actions qu'on peut avoir pour tout simplement équilibrer la trésorerie au niveau de l'entreprise. D'accord là-dessus ? Est-ce que c'est bon ? Oui. Voilà, donc j'ai terminé la séance avec vous. Est-ce que vous avez des questions ? Non. La question ? Donc voilà. Monsieur, comment ? Tu sais, là, qu'on va passer là. À 18h, vous allez l'avoir. Je vous ai envoyé un mail là. Regardez, consultez votre boîte mail. Je vous ai envoyé monsieur, un vous n'avez pas dit c'est demain ? Non, c'est demain. Non. Non, aujourd'hui, c'est un petit, Berivan. Aujourd'hui, c'est un petit. Téléphone. Comment ? Mais monsieur ? Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est avec une application ? Comment ? Ça sera avec une application ? Non, tu verras, c'est un QCM. Tu choisis, tu coches telle réponse, et tu as une minute à peu près. Tu prends ta calculatrice, une petite feuille de brouillon. Tu peux avoir des petits calculs à faire et tu coches tout simplement. C'est un QCM. Okay. D'accord ? Et là, aujourd'hui, c'est un petit QCM et demain, à 18h vers 20h, je reviens, ça sera un long QCM. D'accord ? Ok. Comme ça, vous aurez demain à la séance de 17h, vous aurez déjà un aperçu. Je vous communiquerai vos notes, etc., ce que vous avez eu, les réponses et tout. Et puis, comme ça, vous serez armé pour celui de 18h demain. OK là-dessus ? D'accord. Oui. D'autres questions ? Non. Consultez votre boîte mail. Je vous ai envoyé un planning pour demain et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vous verrez, vous allez avoir. Bon, consultez votre mail et puis on communique par mail. D'accord ? Parce que là, la vidéo, elle est enregistrée. D'accord ? À tout à l'heure pour le QCM. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un mail. D'accord ? Merci d'accord, à vous. D'accord. Au revoir. Au revoir.